J'ai trouvé un truc vachement marrant. Ça ressemble à du sable, mais c'est pas du sable, c'est de l'ancien sable. Du sable ancien. Alors il y en a plus que 4 parce que je m'amuse à les reposer et à les casser. Et quand on les casse, de temps en temps, on tombe des trucs. Alors des nonos, des gold nuggets, des trapèches, des chests, et beaucoup de bonne mille. Quelques sacs d'encre. C'est rigolo. Y a rien eu. Alors j'imagine qu'avec si on pouvait enchanter une pelle, je sais pas moi, looting ou fortune, ça va être marrant. Hop! Des bonnes mille avec ça. Terrible. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fifoux et bienvenue dans le 8e épisode de Regrowth. Alors finalement, d'avoir refait ma armure, c'est bien, en mana steel, parce qu'en fait, on met ça là-dessus. Ça fait quelques éclairs, voilà. Et puis quand il n'y en a plus, bah c'est que la tablette elle est chargée. Voilà, elle était pas. Voilà. Il y a une barre bleue dans mon truc qui m'indique l'état de chargement de la tablette, ce qui est pas mal. C'est apparu d'un coup, je sais pas pourquoi. Puis j'ai découvert aussi quand je faisais. On m'a dit que c'était pas du tout Botania, que c'était Tinker. Un clic droit, à condition d'avoir. En fait, c'est parce que j'ai toujours mes torches à droite. Mais c'est une habitude ça. Donc on peut, quand on est en train de miner, on n'est pas obligé de changer de. Hein, on peut faire juste un clic droit. C'est rigolo. Voilà, donc ça se remplit très vite. J'ai pas encore fait, il manque des Day Bloom et des Nightshade. Enfin bon, on verra plus tard. Donc j'ai fait le devant de la base face à la mer. J'ai même cassé toute cette avancée qu'il y avait là. J'ai pas fini, j'aurais creusé un peu. Et changé la couleur après, mais on verra. Quand je pourrais marcher dans l'eau. Et j'étais en train de faire ici un bassin pour pouvoir y mettre mes perles. Mais du coup, je sais pas trop comment le. Parce que du coup, j'aurais qu'on puisse passer en dessous, faire les différents bassins de pêche automatique, etc. Je sais pas trop ce qu'il faut, mariculture, je le connais pas bien. Mais j'aimerais en faire une sorte de musée océanographique. Et puis après, on peut même mettre des avancées en bois pour faire comme une espèce de ponton de pêche en bois ou de port, enfin divers et variés qui avancent plus ou moins loin. Et là-bas il y a un petit, ça j'ai pas touché, il y avait une petite île comme ça qui était après l'avancée de terre. Et je me demande si on peut pas faire un phare. Ouais, un délire. Bon, du coup je voulais faire un bocal. En fait, l'idéal, ça serait de faire des glass tinkers entièrement transparents. Voire même des colorés. Ça serait assez joli, brune, comme ça, colorée. Ouais. On pourrait faire des bassins. Ou bleu, 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 pour faire comme de l'eau. Parce que l'eau, elle n'est pas toujours très bleue. Là, elle est bleue, mais là-bas, elle est marron. On dirait une ombre, c'est assez bizarre. Ça dépend des biomes, en fait. Je me demande même si j'essaierai pas de planter un arbre magique ou quelque chose comme ça pour changer le biome là-bas pour que l'eau soit bleue, qu'on soit en vacances. Ce serait mieux. Mais on pourrait faire ça par exemple. Donc pour ça, il faudrait faire Tinker. Du coup, on va laisser tomber ça pour les perles pour l'instant. On avait vu qu'il y avait un truc qui parlait de Tinker quelque part. Ah, puis l'arrosage automatique. Oui, ça serait bien aussi. Enfin bon. Passons. Je l'ai vu. Fallait faire une brique. Voilà. Sea red brick. Et bon, on va faire de la sea red brick. Par contre, le problème de Tinker, c'est qu'il faut se mettre. Il y a de plus en plus des méchants toutous là. Je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Combien il y en a? S'il y en a que deux, ça va. Quand il y en a plus de deux, c'est un peu compliqué des fois à gérer. Hein. Parce qu'ils sautent et ils vont très très vite. Donc, comme Minecraft, c'est pas le jeu le plus fluide du monde, un monstre rapide qui saute, c'est surprenant, on va dire. Alors, cette série de briques, visiblement, elle se fait pas avec du grout comme d'habitude. Elle se fait en mettant la cobblestone dans le four là. Ouais. Du coup, j'aurais quand même testé quelque chose. Peut-être que ce sable, il peut fondre aussi. Peut-être. Nein.
Rien ne se fait, ce sable ne peut pas fondre. Alors la cobble est censée fondre et faire des briques. Ouais. Mais le sable, non. Le sable, ils font pas. Il dit pas la température, de toute façon, donc déjà. Ok, donc ça, ça fait... 2 millibuckets. C'est une blague. 1 millibucket. 19 millibuckets. Attends, gna gna. Waouh. Ah non. C'est des burn... C'est pas de la cire de briques, c'est des burn bricks. Non, réflexion, spelter, basure, enfin, c'est pas le furnace. Tiens. Ah, non. Et comment on en fait des cirés de briques? Ah, pas tout compris, là. Cirés de briques. Est-ce qu'il considère que ça, c'est la même chose? Non, pas du tout. Bon, alors on recommence. Cirés de briques. Se fait en faisant cuire du grout. Du grout qui n'a pas... Bon, pas très bien. Cobblestone, si vous voulez, mais un crucible furnace. Un cast ingot, it seems to form brick that incredibly resistant to it. This could be the material you need to make a more efficient smeltery. Ah! That's a crucible furnace. Quelque chose de plus efficient que ça avec ça? What is plus efficient? Un block caster, bon, ok. Bon, je vais chercher, je vais bien finir par trouver. Bon, je comprends pas très bien, c'est censé donner de la cire et de briques, ça en donne pas, donc j'ai envie de changer ça provisoirement par ça. Bon, c'est pas bien rapide quand même. Hein. On va attendre que ça remplisse ça pour voir. Alors là, il y a un grand mystère. Il m'a d'abord donné 6 briques de mariculture. Je mets le caster. Et au lieu de me retrouver avec des briques, je me retrouve avec... Enfin, avec des blocs, je me retrouve avec des briques. Il fait bien des briques. Mais avec un caster, il y a un truc qui va pas. Et en plus, le caster, il a jamais été complètement rempli. Je ne comprends pas du tout. Alors c'était peut-être un bug de mise en route. Une fois qu'il est mis en route, la recette est bien remplacée et donne bien des cirés de briques. Parce que faut que ça donne ça, évidemment, pour pouvoir faire tous les morceaux de la smelterie. On va voir ce bloc quand il va être terminé. Je vais attendre quand même. En attendant, il faut que je trouve un endroit où mettre cette smelterie. Je veux pas la mettre dans ma cuisine directement. Alors en même temps, j'ai une petite idée de ce que je voudrais, mais ça va être très très compliqué à faire. Ce bazar est d'une nonchalance, pour ne pas dire une lenteur extrême. C'est... Oh là, vivement qu'on remplace ça, hein. C'est vraiment... Pouh. Allez. 39. Ouais. Je vous fais partager le temps que j'attends. Voilà, donc ça, ça fait un bloc. Le bloc, il est censé descendre en dessous. Mais il descend pas. Bon, on peut faire un clic droit pour le ramener. Il est pas sec. Faut qu'il soit sec. Alors, ça sèche pas? Allez, vas-y. Sèche. Refroidi. Durci. Non, là, il bouge, hein. C'est qu'il est encore liquide. Alors? Bah, c'est la torche qui le fait fondre, quoi. À mon avis, c'est complètement buggé, ça. Ah, bah non! Attends, j'en ai deux, maintenant. Ah, c'est bien, le truc, il se vide pas, et j'ai deux blocs. Extraordinaire!
Non, il y a un petit souci quand même. Il y a quelque chose de bizarre. Non, non, c'est pas normal. Mais enfin bon. Est-ce qu'on peut faire des briques avec ça? Oh non, sérieux. U. I. U. Eh ben non, on peut pas. Ah, c'est caca. Alors je vais remettre le. Parce qu'il va me falloir des briques. Oh. On va le laisser là. Non mais sérieux, alors j'ai perdu tout mon temps. Pff, ouais, c'est d'abord buggé et après c'est moins buggé. Ma cuisine étant comme ça, je suis en train de réfléchir. Peut-être qu'on peut mettre un escalier au centre qui descendrait en dessous. Je voudrais qu'au centre aussi, il y ait mon futur apply. Parce que je ne doute pas qu'à un instant ou un autre, on fera apply. L'escalier, il arrive là. Mais je voudrais pas tout remplir et faire un plancher immense. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre d'ailleurs. Sans tomber et sans mourir. Mon idée de base, ce serait d'avoir une colonne centrale. Bon, on descendrait à cette hauteur-là. Et après, ça descendrait tout droit pour des différentes usines. On mettrait des tuyaux, etc. À part que je voudrais quand même qu'il y ait une coursive tout le tour ici. Donc je vais faire ça déjà, la coursive. Ah bah au passage, ça y est, c'est décoincé. Maintenant, ça fait bien des cirés de briques. Comme ça devrait. Bon, c'est parfait. On va le laisser tourner, c'est tellement long. Je vais prendre de quoi faire. Je crois que j'en ai encore plein. Ça va pas suffire. Voilà, ça. Et ça pour en faire d'autres, du marbre. Ouais, c'est de l'air et de la terre, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Terre et eau, ça fait de la clay. Et je voudrais ça. Voilà. Et un petit peu d'andésite. Ça doit suffire. Et au cas où j'en manque. Ouais, mais là je vais plus avoir de place. Pourquoi j'ai une langue encore? J'en ai plein des langues, hein, et des têtes de chien. Alors l'un d'entre vous m'a demandé d'où venait mon inspiration. En fait, j'en ai pas pour ce bâtiment du tout. Je me suis pas inspiré de quoi que ce soit. Donc j'improvise complètement. Mais mon idée, on descend de la cuisine comme ça et on a une passerelle. Peut-être même quatre, mais de trois seulement de large. Je voudrais que d'une manière ou d'une autre, ces lignes qu'on trouvait dehors, on les retrouve à l'intérieur. Donc ça y est, comme une pyramide inversée quand on regarde le plafond, quoi. Et je voudrais que les usines se trouvent sur le côté, comme ça, sur des. Mais peut-être encore descendre deux marches, alors que de l'étage en dessous, il faudra en monter deux. Bon, un peu compliqué mon histoire, mais pour avoir une espèce de plateforme flottante. Et au centre, avoir la colonne d'apply qui est en dessous et qui descend. Et par exemple, on pourrait très bien avoir. Voyons voir. Quelques marches qui descendent et d'autres qui montent de l'étage du dessous pour arriver à une plateforme intermédiaire où il y aurait le matériel tinker, donc la mesmelterie, entre autres. Et puis peut-être, je sais pas, deux marches plus bas, voire vers le centre, quelque part, un réservoir de lave, avec un portail, avec un minecart qui irait chercher la lave dans le nether. Une idée! Je sais pas si je vais aller jusqu'à là, mais en tous les cas, j'ai bien envie d'essayer. Bon, c'est un petit peu complicationné de construire sans voler, parce qu'on ne voit pas bien, hein, pour faire les escaliers, là, c'est une horreur. J'ai pu mettre cela, mais je sais pas comment faire pour aller en dessous. En dessous, j'ai commencé à faire ça. Est-ce que je peux sauter là sans me faire trop mal? Ouais, merci, le manastyle. Voilà, donc ça va rejoindre comme ça, puis après ça descendra, faut que j'enlève ce truc que j'avais trop agrandi en fait. Et je vais faire ça. Et je enlèverai probablement le gris aussi, pour avoir une grande plateforme immense en bas, où je vais mettre des arbres, de l'herbe, des fermes forestiers, tout ça, des abeilles. Alors la colonne centrale, ici, ce rond là, ce cube, ce rond. C'est-à-dire que dans Minecraft, les ronds, c'est des cubes en fait. Hein. Bon, ok. Donc ce rond minecraftien.
En fait, c'est parce qu'au centre, je vais mettre le corps apply. Apply. On va essayer. Donc, je voudrais que ça fasse comme ça. Des passerelles qui donnent un peu le vertige et qu'en bas, on aide à distance. Alors, c'est pour ça que. Voilà, ici, ça descend. Pardon, d'ailleurs, on pourrait peut-être mettre. Ah, et du coup, par en dessous, maintenant, je peux les placer. Maintenant qu'il y a ça. Tink, tink, tink. Alors j'ai un souci ici, c'est que deux côtés, du coup je sais pas comment faire. Parce que si on le met blanc, ça va être moche. En même temps. Oh, pas shift. Il faut que ce soit blanc. Enfin, gris. Ouais. À mon avis, ça pose problème, ça. C'est vilain comme tout. Et je voudrais que ça descende de 2 voire 3 pour avoir un plancher intermédiaire et avoir ma smelterie au milieu de ça. Ouais. C'est bizarre, hein? Oui, je sais, c'est bizarre. Mais je veux ça. Et ici, je veux que ça monte. Mais du coup, c'est vilain. Parce que c'est les textures suivies et là c'est pas suivi. Alors il y a un autre truc qu'on peut faire peut-être. Déjà comme ça. Peut-être comme ça. Faut voir. Faut essayer. J'en ai plus assez. Faut que j'en refasse d'autres. C'est un peu bizarre, mais c'est moins bizarre. Moi, je trouve. C'est moins bizarre. Vous avez dit bizarre? C'est très bizarre. Alors, et dans la cuisine là-haut. Donc là, faut tout ça, faut que ça se suive. Comme ça. Alors, je sais pas du coup s'il faut garder ça. On va voir. Je manque encore de blocs. Faut que j'aille couper mon champ d'essence de terre. Tout ça c'est pour faire une smelterie. En fait la smelterie en elle-même c'est pas long à faire. C'est la pièce pour le faire. Donc on a un escalier qui monte, hein, puis comme il faut redescendre, on a un escalier qui descend. C'est une grande logique. Bah oui. Si on monte, il faut pouvoir redescendre. Mais on peut passer au milieu. C'est bien aussi. Ouais, c'est bien. Voilà, et mes machines sont tout autour. Évidemment. Et au cas où on tombe, c'est pas très grave, on tombe sur les escaliers, on n'a pas de dégâts. Voilà. Bon, du coup, c'est un peu plus petit que prévu. J'imaginais ça plus grand dans ma tête. J'ai encore fait une maison trop petite. Voilà. On n'a jamais la place de tout mettre. Mettrais bien des lignes après. Je sais pas comment. On va voir. Donc ici, la smelterie, qu'on peut monter un peu. On mettra un bassin d'un côté, un bassin de l'autre. Et dans un coin, on mettra la lave par en dessous. Donc faudra mettre quelque part, je sais pas trop où, par en dessous, un réservoir de lave. Ouais, on peut faire ça. Donc il faut fabriquer maintenant les pièces de la smelterie. Le smelterie contrôleur, le cerveau de la smelterie. Les smelterie drain. Input and output. Hein, tiens, on bosse. Je savais pas, tiens, entrée sortie, je pensais que c'était des sorties, j'en étais sûr de ça, mais. Voilà, et les petits becs verseurs qui vont bien. Hop. On verra après si on met un tuyau ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut le réservoir, celui-là. Ah, n'importe quel verre. J'ai eu peur que ça soit du verre de Tinker. Et là, du coup, je voyais pas vraiment comment on allait le faire. Pour mettre de la lave, hein, parce que ça fonctionne avec de la lave, tout ça. Ensuite, on va fabriquer différentes briques pour être plus ou moins jolies. Smeltery structure bloc. Ah, par contre, faut que je fasse ça. Un chisel. Avec des os. Non, on peut pas faire ça avec des sticks, des nonos. Là-dedans. Comment on fait ça? Ça. C'est pas mal, ça.
Moi, je dis que si on met ça là et un os, on se fait un petit chez elle. Et qu'après, on peut lui dire qu'on veut ça. Ça. Faudrait faire un petit rod ou un truc comme ça. Non. Si, tout le rod. On peut le faire en... Est-ce qu'on peut le faire en nonos aussi? Non. En boisque, non plus. Bon, de toute façon, on avait ça pour faire le tool rod. Voilà. Ça va être très bien. Ah oui, il faut lui redire ça. Voilà. Merveilleux. On peut tout ranger. Tinker et moi, ça fait 12. Tiens. Ah, j'ai mis un... Oh, j'ai mis un stick à tous les coups. Bon, c'est pas grave. Tiens, on a eu un nouveau bouquin. Ah, mais on l'a crafté pour rien. Maintenant, on en a deux. C'est pas grave. On continue. J'ai dit des blocs. On avait ça. Ça fait des blocs cures. Non. Ça, c'est bien. Mais ça, si on le remet... Ah, ça, c'est encore mieux. J'en voudrais des... On va tous les mettre. Des comme ça, pour faire le fond. Mais j'en voudrais un au milieu, comme ça. Ouais, pas mal. Et est-ce qu'on peut faire des blocs avec ça? Parfait. Donc, 1, 2... Bon, faut 8, encore 6 comme ça. Ouais, j'en mets 8. Bravo. Pour faire le fond. Et le reste, on le laisse comme ça. Mais j'en ai pas assez, là. On va voir ce qui manque. Les drains, les machins. Après, il faut faire le caster. Le castor à queue plate. Casting table. Et une tool forge. Ah, pas bête. Casting table, casting table. Casting table, ça se fait comment? Ça. Ah bah une petite table. Comme ça. Et ça serait pas mal de faire le casting bassin en même temps. Ça doit être comme ça. Ouais, trop fort. Et enfin, pour finir la quête, la tool forge. Qui est... Si je ne m'abuse, la tool forge. C'est... What? Non, c'est pas ça du tout. Bon, je vais la retrouver. C'est un upgrade de ça. Donc, faut faire une tool station et puis mettre des blocs de machin dessus. J'essaie de le faire de mémoire. J'espère que ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Donc, ça, une table de craft. Et après... Non. Je sais que ça vient dessus. Ah, faut des blocs de fer. Waouh. Oh, j'avais oublié ce petit détail. Des blocs de fer, carrément. Ah, carrément. One, two, three, four. Pas rien de plus, hein. Coûte trop cher. Hop. Et là... Ding, ding. Ding ding. Ding. Bon, évidemment, ça marche pas. Mais si, ça marche. Voilà, et selon le métal, en plus, ça peut être des différentes couleurs. Mais là, c'est très bien, blanc et noir, c'est parfait. On va essayer de placer tout ça. Donc, déjà, le fond du panier. Évidemment, je pose le mauvais. Super! Parfait. Oh, celui-là, il veut pas se poser où il faut. Hein. Hop. Ensuite. Les coins ne servent à rien. Donc, à mon avis, c'est comme ça. Le contrôleur. Ouais. On va mettre
le drain à l'étage au-dessus. Ok. Après, on va faire des posts qu'on puisse passer autour sans tomber. Ouais, ça c'est pas mal. D'ailleurs, il marche déjà. Oh, bah c'est super. Voilà, on va mettre un drain ici, comme ça. Ok. Voilà. Et un autre. Un autre, un autre. C'est-à-dire qu'elle est pas bien grande, ma plateforme, quand même, hein. Faut reconnaître ce qui est. Un autre là. On le montrera après en hauteur pour pouvoir mettre plus de choses. Mais sérieux, c'est un peu débile mon système. Enfin, on va mettre ça sous le... C'est la chaleur. Voilà. Toc. À une bassine pour faire des blocs. Et... Casting table. Voilà. Et là, dans le petit coin qui va bien, on va mettre la tool forge. Ouais, c'est pas mal. Il me faudrait un petit coffre aussi. Il faudrait un noir. Un coffre noir. On pourrait le mettre dans le sol ou je sais pas comment. Ou... Ouais. Oui, on pourrait faire ça. Et les petits becs verseurs qui vont bien. Donc maintenant, il me faut de la lave. Ouais, ça marche à la lave. Pour l'instant, il n'est pas question de faire des minecarts qui vont dans le nether et qui reviennent. On n'a pas de redstone, on n'a rien. Donc, on va juste aller chercher un truc et remplir ça de lave. Il pompait, il pompait. Je suis un shadow. J'entends un Enderman. Ça me met mal à l'aise. Je l'entends clairement. Il va me pousser dans la lave, c'est sûr. Je le sens bien. Je le sens qu'il est narquois. C'est un Enderman invisible. Oh mon dieu, il est là! On va y faire sa fête. Ah, j'ai bien cru qu'il allait me faire la mienne. Il y en a un autre? Non. Oh non! Il va venir venger son copain. Bon, restons pas là. J'en étais sûr! Il m'attaque dans l'escalier sournoisement. Ah, j'en ai mis un petit coup là quand même. Il n'est pas encore mort. Mais ça ne saurait tarder. Bon. Il va bien finir par m'oublier. Mais je l'entends encore. Où est-ce qu'il est ? Ah, je pense qu'il est mort là. Il est allé dans l'eau, je sais pas quoi. Ok, donc on va remplir là-bas mon réservoir. Donc je le fais manuellement. Alors il n'y a pas beaucoup de place donc pour mettre des coffres, des hoopers, des trucs comme ça. Mais moi je me dis que finalement... Finalement j'ai intérêt à en faire d'autres, des trucs comme ça pour l'instant. 4-4, voilà, donc il est plein le truc. Donc on peut mettre dedans tout ce qu'on veut. Peut-être qu'on pourrait faire tout de suite plus haut. Ouais, si on le fait franchement plus haut. Comme ça, on peut mettre plus de choses d'un coup. Je sais pas si on fait toc toc comme ça. Oh, il y a des chiens en bas. C'est la partie avec les vilains toutous. Ah, évidemment, j'en ai pas assez. Je vais en refaire un peu. Mais je pense qu'il faut bien ça, moi. Par un truc qui a un peu de contenance. Ça peut largement... Je pense qu'il faut un de plus encore. Ouais. Là, ça ressemblera à quelque chose. Juste sous la cuisine. Lalalala. Tac ! Une smelterie. Ouais, chouette. On peut même aller jusqu'au plafond. Hein. Pas gênant. On s'en fout de regarder ce qu'il y a dedans. Hein. Après, on va mettre des tuyaux par en dessous pour récupérer les lingots. Ou pour en mettre dedans. Quoi qu'il a dit, in et out. Donc on peut rentrer par un drain aussi. Donc je peux mettre un drain.
ailleurs dans la structure en bas et rentrer. Je voudrais hérisser tout ça de tuyaux Buildcraft un peu. Que ce soit, enfin, pas pour rien non plus. Mais bon. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Bon, je vais faire encore de la Cariate Stone. Et je vais la faire cuire. Parce que la cirée de briquet, elle arrive pas vite quand même. Pas vite du tout même. Alors du coup, je pourrais peut-être utiliser. Ah, j'ai une petite idée. Je me demande si ça irait pas plus vite. La cirée de briques. Maintenant qu'on a le. La smelterie. On va essayer. C'est pas sûr. Mais il va faire tout ça d'un coup. On va voir. Ah, mais il me faut le. Ah oui, je sais. Claim reward. Hé hé. Hé hé. Hé hé. Cool. Test. Ouais. Alors c'est là qu'il faudrait mettre un tuyau pour récupérer ça. Enfin bon. Là ça va. C'est plus rapide. Et voilà, c'est monté jusqu'en haut. Maintenant, je voudrais mettre un drain là-haut parce que je voudrais voir si de ma cuisine, on pourrait mettre un hooper avec un coffre. Comme ça, je mettrai des trucs dedans. Et on pourrait mettre des tuyaux Buildcraft qui remonteraient le résultat. Là-haut. De temps en temps, on descendrait pour voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent là-dedans ou pour faire les assemblages, quoi. Comment ça s'appelle? Ouais, bref. Les mix quoi. Ouais, c'est comment déjà le drain? Drain. Bon, faut 6 de plus. Ok. Donc 6, donc 12. Comme ça. On va faire ça. Et on va tester ça bah, avec du verre, ça sera très bien. Ou du sable directement. On peut mettre les deux. Le drain là. Alors, normalement, j'imagine qu'il faudrait le mettre sur le côté. Je suis pas sûr que ça rentre par le dessus. On va tout de suite tester. Smeltery drain. Si je le pose là et je mets un truc dedans, est-ce que ça s'en va? Nein. Attends, il y avait écrit entrée, hein? On est d'accord. On va le mettre comme ça. Si je le mets là. Ça rentre pas non plus. Hein. Ou alors c'est pour y rentrer des liquides. Ah oui, d'accord. Donc faut faire avec des tuyaux Buildcraft. Donc on enlève ça. C'est pas bien du tout. J'avais prévu mon coup, j'avais 4 briques de plus. Hé. Je me doutais aussi qu'il y avait forcément une astuce. Ça, marbre, marbre. Pour l'instant, je referme. Ok. Donc, j'ai vu dans les quêtes qu'il y avait des tuyaux Buildcraft à faire. Ici. Wooden Transport Pipe et Cobblestone Transport Pipe. Facile. Le wooden n'extrait pas si on fait pas. Ah oui, mais attends, j'ai pas de quoi faire la redstone engine, moi. Engine. Y a pas de redstone. Si, y a de la redstone. Non, y a pas de redstone. C'est un levier. C'est pas de la redstone, normalement. Wooden pipe, pas sorcier. Cobblestone pipe. On va tout de suite en faire un peu plus. As usual. Ok. La redstone engine a dit un piston. Un morceau de fer. Un levier. Stick. On va y arriver. Ça fait beaucoup de manip tout ça quand même. Dans l'autre sens, comme d'habitude. D'où il vient l'autre? Je l'entends, hein. Levier et un morceau de fer. Un piston.
Où est-ce qu'il est? Il est là. Et on a le feu d'artifice. Ok, hop, hop. J'ai oublié. Piston, verre et trois bois. Ok. Piston, verre et trois bois. Et un autre levier. Voilà, parfait. Bon, on va tuer tout cela là. Qu'est-ce qu'ils font là? Bon, évidemment, le problème, c'est que ça va se connecter à ça, mais ça, faut extraire pour que ça en sorte. Avant de pouvoir mettre un bouchon. Moi, je dis qu'on peut rentrer comme ça. À moins qu'un tuyau puisse rentrer dans un hooper. En attendant. C'est pas très joli, mais... Ouais, c'est rigolo. Voilà. Et ressortir des blocs. Le liquide coule là-dedans. Et ressortir des blocs. On va faire un truc. Voilà. Si je mets un tuyau bois comme ça, que je mets ça. Ok. Et que je mets un petit levier ici. On pourrait mettre un... Ah. Je me disais, il marche pas. Mais si, il marche. Et on remonte. Faut que ça descende. Il faut remonter par un autre endroit. Je sais pas où ça tombe, là-haut. On va voir. Et puis pour pas tomber ici, je voulais mettre des carpenters. Parce que ça fait... Ouais, c'est bizarre un peu. Non, ça se connecte. J'aurais voulu que ça se connecte à ça. Mais justement, ce que j'aime bien, c'est que ça fait comme les posts de Minecraft. Et puis de toute façon, je crois qu'avec l'outil de Chisel, on peut les empêcher de se connecter. Faut voir. Et ça, on peut le mettre blanc. Ça, ça ressemble au marbre qui est derrière. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais j'aime bien l'idée de faire un truc bordélique comme ça. Avec des trucs plus ou moins suspendus, avec des tuyaux. J'aime bien. Après, faut voir. Si on veut pas qu'ici on tombe, c'est pareil. Il faut en mettre d'autres. Qui partirait comme ça. Ton, ton. Ouais. Moi, je dis... Ouais. Bon, faut voir, faut que je fignole après, je trouverai une idée. C'est un peu plus blanc que prévu, ça. La matière est peut-être pas bien. Ou alors faut peut-être faire noir. Enfin, ou en ciré de briques. Ou en ciré de bloc, peut-être mieux. Bon, sinon on en était à nos moutons là. Voilà, on va mettre ça sur le dos, le coup de la chaleur. Si on met ça comme ça... Non, il faudrait un autre wood... Oh, je vais faire un autre wooden pipe. Pour extraire un autre coffre. On va voir. Ok, j'ai pas eu besoin d'en faire. C'était un coffre dont j'avais besoin. Évidemment, il est là. Donc, on enlève celui-là. On met le coffre... Voilà, le mettre contre quelque chose. On va le mettre contre ça. Évidemment. Hop.
Attends, je sais pas s'il est actif. Bah non, mais il faut mettre une engine, abruti. Ah, mais j'en ai pas fait une deuxième. C'est une engine qu'il me fallait. Ah. Toc, toc. Une engine. Comme ça, donc. Avec un petit levier, ici. Voilà. Et normalement, ce qu'il y a là-dedans... Ok, ça descend. Ça descend, ça marche avec une engine. Ça marche. Est-ce que ça rentre dans le biniou? Ouais, mais j'ai plus accès maintenant qu'il est là. Bah, ça reste pas dans le hooper. Donc, ça va là-dedans. Est-ce que c'est peut-être pas fondu? Ah ouais, mais comment on fait pour avoir accès dans ces cas-là? Je me demande si... Je peux enlever le hooper. Et mettre directement un tuyau. Oui, et là j'ai accès au truc. Oui, j'ai accès au truc. Le verre fond. Et comme le verre fond, quand il va être fondu, il y en aura assez. Oh, ça va assez vite. Hein. Et après, je voudrais que ça remonte. Hein? J'ai mis un verre là-dedans. Ça n'a pas l'air d'extraire quoi que ce soit. Ça explose pas ces engins-là? Ah zut, il les met dedans. Yes, neuf, le mouilleuse, monsieur. Faut mettre un pipe en fer. Fifoux, pipe en fer, vite! À force d'utiliser Ender Rayo et ses magnifiques tuyaux, on ne sait plus utiliser Buildcraft. Non, c'est deux fers avec un verre au milieu. Ah, il va me falloir une wrench. Sinon, je vais jamais pouvoir le retourner. Comment on fait une wrench? Une stone gear et trois... Oh, c'est bien, ça, c'est facile. Ça me revient au fur et à mesure que je le fais, mais j'avais complètement oublié. On le fait plus maintenant, Buildcraft. Enfin, on fait le minimum. Go! Donc, normalement, on vire ça. Clic droit, n'arrive plus à l'enlever. Je clic droit, je pense, c'est bizarre. Hop! Hop! Et on dit que c'est le... Maintenant, c'est le transparent qui est à la sortie. Voilà. Ça en rêve. Alors pourquoi lui il veut plus... Il extrait plus. Avant on pouvait extraire de ce truc là. Peut-être parce qu'il n'y a pas de destination là-haut. Oh, on va éteindre ça. Où c'est qu'il arrive d'ailleurs le truc là? Là-dessous? Ah, un peu plus par là. Oh, l'autre, il casse toute la maison pour trouver le tuyau. Yes. Here. Over there, beyond the clouds. Hop, hop, hop. Voilà, j'extrais plus. Mais si, il y a ça. Est-ce que ça va monter dedans? Anne Masseran, je ne vois rien venir. Bon, ça veut pas extraire avec ça. Ça extrait peut-être... C'est bizarre, il me semblait qu'on pouvait extraire comme on voulait avant. Ça extrait peut-être que du dessous. Ça m'étonne. Bon. Mais non, mais il n'y a rien à extraire peut-être. C'est joli ce liquide, ça donne envie d'en manger, de la glace liquide comme ça, à la menthe. J'aime pas la glace à la menthe. Hop, allez, extrait. C'est bon, ça marche. Ah oui, mais c'est là qu'il faut que je mette un levier. Comment je pourrais faire? Il faudrait un tuyau étanche. Sinon, je vais être obligé de cliquer là-dessus, ça va pas se faire automatiquement. Ah oui, mon système était... Oui, ça marchait en fait, d'accord. Ok, bah c'est très bien, ça marche. D'ailleurs, c'était pas la récompense du silence là, ou du machin, hein? Si! Il y a autre chose à faire. Ah! Faut faire du pipe silence. Bah ça, c'est avec du cactus, normalement. Donc si j'en fais un, je mets un levier, et crac!
ça va couler tout seul là-dedans. Et du coup, je peux faire beaucoup de ce magnifique vert que j'aime bien et qu'on peut colorer et tout, et qui n'a pas de jointure. Je le remonte là-dedans. Ah, le voilà qui... C'est pas rapide, cette tuyau-là, mon vieux. Bon, mais au moins, c'est automatique. Bon, eh ben, c'est un demi-franc succès. Bon, j'ai plus qu'à faire le sealant. Comment il appelle ça? Ça. Voilà, bah c'est du colorant avec... voilà, très simple. Et je pourrais faire un tuyau en bois. Si, bah je vais le faire tout de suite alors. L'épisode va être un peu long. Je vais crafter ça. Et entre cet épisode-là et le prochain, je vais déménager tout mon bazar là-haut. Pour éviter de faire des allers-retours, ça commence à être un peu longue. Il faudrait au moins qu'il y ait une table de craft et que je commence à mettre des coffres. Ne serait-ce que provisoirement, pas rester là-dedans. Donc on a dit du verre, du cactus cuit, il y en a là. On le recuit ou on le met dans la table, je sais plus. On le met dans la table. Voilà. Pina Rewa. Il y a autre chose. Ouais. Et cobblestone, d'accord. On va juste en faire un. Voilà. J'ai plus de place. C'est le bazar absolu dans mon histoire. On va mettre provisoirement ça là. Et jeter ça. Attends. Faire un peu de place. Et un cobblestone. On n'en a pas besoin. Voilà, je vais refaire vite fait un levier. On a tout. Il est content? Ouais, Clemry moi. Là, on va ranger le voilà. Là-dedans. Donc normalement, si j'enlève ça et que je mets ça comme ça, ça se connecte pas puisque c'est des liquides. Sauf c'est dans l'autre sens qu'il faut le mettre. Voilà. Parfait. Merci la branche. Et le petit levier qui va bien. Un petit levier qui va bien. Il veut rien extraire. Oh, flûte. Ça transmet pas le signal de redstone. Reçu normalement. Bon bah flûte hein. Ah c'est pas. C'est un autre sens? Non. C'est comme ça. Côté clair vers la sortie. Ah mais il faut mettre encore un engine. Oh, c'est vrai. Va-t-il enfin y arriver? Faire quelque chose d'aussi simple? Moi je dis qu'au bout d'un moment il finira bien par y arriver. Hop. Et voilà. Ah oui, j'oubliais qu'il fallait mettre des engines partout. Forcément ça change avec tous les tuyaux automatiques de thermal et tout ça. Ouais, bah, c'est pas mal ça. Voilà, ça va me faire du verre. Donc je vais mettre un autre coffre là-haut, un pour le départ, un pour la rentrée. Et dans un, je mets du sable, parce que là j'ai mis du verre, on peut mettre du sable. Ça va me le fondre et ça va me faire ce verre merveilleux, très lentement, mais ça va me le faire automatiquement. Et donc j'aurai assez de verre pour faire mes aquariums. C'est ça en fait que je voulais faire au départ. Mes aquariums pour avoir mon musée océanographique. Enfin j'exagère. Avoir un bassin pour mettre mes perles. Et en plus il va falloir faire un bassin spécial pour... Il y a une node là. Heureusement c'est pas une méchante. Et puis j'aurais peut-être mettre... On pourrait peut-être faire le mur en dessous, en vert également, ici. Comme ça on verrait les algues pousser, on verrait les poissons au travers. Ouais. Ouais, ça pourrait être marrant.
Bon, on se retrouve la fois prochaine pour faire ça. Allez, à bientôt.